bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de la fin sur God of War Ragnarok avec l'épisode 58 évidemment. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, profitez du 4K 60 FPS. Et c'est parti pour la suite de notre folle aventure. Let's go, ça va être insane. Je rappelle qu'on est littéralement à la fin du jeu. Et on est parti se reposer. Sigrun, je parlais un instant à Mimir. J'ignore où nous serons demain, mais si cette nuit est la dernière, j'aimerais ressentir autre chose que de la haine. Me conterais-tu une dernière histoire idiote? Rien ne me ferait plus plaisir, à part peut-être une danse. Mais je crains d'avoir perdu le rythme. Sauf ton respect, je ne dis pas d'histoire idiote. Toutes tes histoires sont idiotes, Mimi. Tu as toujours raison. Je peux dormir ici? Fais le vide dans ta tête. J'y sais. Bien. Je vais te raconter une histoire. Si jamais je m'endors, tu pourras la finir demain. Il était un vieil homme qui coupait du bois pour son village. Soir après soir, sur son dos, il portait les bûches et les distribuait à son peuple. Mais les bûches étaient lourdes et les années l'affaiblissaient. Puis un jour, il jeta les bûches parce qu'il n'était plus capable de les porter. Et il implora la mort de venir le prendre. Et quand la mort arriva,
Faye était la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. C'était une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés, pour veiller sur nous et nous ramener à la maison. Est-ce que ma requête te chagrine ? La mort fait partie de la vie, mon amour. Je souhaite seulement que tout soit prêt quand viendra mon heure. C'est ainsi quand on est mortel. Je suis heureuse que tu m'aides à me préparer. Allez, une petite dernière balade avec Faye. Je n'ai rien à dire. Eh bien, dis quelque chose. J'aime entendre ta voix. Un bûcher funéraire. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Ah ? D'où je viens, nous inhumons ceux qui nous sont chers. Tu me piégerais sous terre pour l'éternité ? Je te garderai près de moi. Charmant. Mon corps putréfié te serait d'un grand réconfort. N'as-tu pas toi-même tenté de choisir ta fin autrefois ? C'était différent. Les circonstances l'étaient, oui. Mais pas la finalité. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Je me suis chié dessus. Tu te prépares pour un avenir lointain. Nous avons encore du temps devant nous. Je veux rendre meilleur un avenir dont je ne ferai pas partie. Il arrivera tôt ou tard. Pour toi et pour notre fils. Nos chemins ne se quitteront jamais, Kratos. Tu feras toujours partie de moi. Et je ferai toujours partie de toi. Quand tu ne seras plus là, cette partie de moi mourra à jamais. Faye, imaginez ton absence. Oh, non. La seule issue à l'amour, c'est le deuil. Et pourtant, nous aimons, malgré l'inévitable. Nous ouvrons notre cœur à ce risque. Quand le bûcher sera consumé, et que tu auras rassemblé mes cendres, jette-les du plus haut sommet de tous les royaumes. Je veux que tu m'en fasses la promesse. Ceux qu'on pleure le plus sont ceux qu'on aime le plus.
Ouvre ton cœur à ce monde comme tu me l'as ouvert et tu finiras par trouver toutes les raisons de continuer à y vivre. Je te rejoins dehors, père. Général. Nous espérions livrer bataille à vos côtés une dernière fois, ma reine. Moi aussi. Mais plus en tant que reine. En tant que sœur. Es-tu prêt? Oui. Je serai votre général. Ce sera un honneur de combattre à vos côtés, général. Oui, mon frère. Je serai à tes côtés. Alors, quels sont tes ordres? Allons au temple. Aïe, 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 déterminé. Bon. Waouh, la moitié de l'épisode, là, c'était une cinématique. Ça régale à bon nombre de doubles sens qui plus est. Ouf. C'est oh, parti. Tu comptes c'est partir parti. Sans t'équiper, gros malin. C'est peut-être ta dernière occasion de le faire. C'est peut-être désolé, ta dernière occasion de le faire, effectivement, merci de me le préciser. On est d'humeur. Alors, ça c'est améliorable. Essence de hell. Allez, vas-y. On n'a pas le temps de discuter. Pas le temps de niaiser. Ok. Ça, je ne peux pas modifier. Bon, attendez, on va faire plus simple. On va voir ce qui est modifiable directement par ici. Ok. Rien en ce qui concerne. Voilà, brassard, ça j'aime bien. Oh, niveau max. Ça va. Niveau max, mon pote. Ok, ça c'est fait. Ça me plaît. Très bien. On est d'humeur. Ok. Oh, mais où avais-je la tête? Évidemment que ton armure est déjà allez, c'est parti. Prête. On va casser des gueules. Let's go! Là, on retourne à l'arbre monde, si je ne m'abuse. Général. Père. Général. Général. Chef. Salut, mon... Général. Le temple de Tyr, effectivement. Ok. Donc je suppose qu'il va falloir aller ici, utiliser ce superbe cristal. Je suis venu sur ces terres pour fuir mon passé, vivre une nouvelle vie. Je ne peux plus me cacher.
Aïe, aïe, aïe. Ça va être incroyable. Je ne souhaite pas cette guerre. Nous avons trop souffert. La prophétie ne nous a pas menés ici. Et ne gagnera pas cette bataille. Les guerres sont remportées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier. Si tel est le prix de la vengeance, alors soit. Odin nous a déjà pris tellement de choses. Les royaumes ont souffert suffisamment. Quoi qu'il en coûte, tout s'arrête. Aujourd'hui. Si disparaître dans le feu de la gloire me permet de brûler Odin, alors j'y serai. Un sourire large et franc sur mon visage. Pour Brock. Odin s'en prend à Niflheim après. Ils essaient de bloquer le Ragnarok. Il faut stopper leur machine de guerre. Ah, c'est tort. Ça commence plutôt mal. Attendez. Ingrid, on n'a pas le temps. Je sais. Attends. Ingrid ! Quoi ? On a du travail. Vous trois, suivez-le. Atreus. Freya, avec moi. Couvrez nos flancs. Aux machines de guerre. Allez, région découverte ! Par ici. Vigridr ! Incroyable, ce jeu est fou, ce jeu est fou. Ok. On va essayer de tout esquiver. Se prendre le moins de coups possible. Continuez. Voilà, ça, ça dégage. Voilà. La petite racaille s'est coupée en deux, je vous le dis. Il est encore. Nous voici dans la guerre, c'est ça God of War. C'est affronter des géants, c'est affronter des trucs de fou. Attention. Quel est le plan suivant, frère? Il n'y a pas d'autre plan. Nous nous concentrons sur les machines de guerre. Il nous faut atteindre la faille derrière la tour d'Asgard. Tu disais que seul sur savait s'en servir. Fireball! Espérons que je me trompais. Bon okay. Débarras.
Ok. Wow! Ok, c'est rien. Plus de peur que de mal. Wow. Attention, couvert de vitraux. Gardez un œil sur sa queue. C'est pas vrai. Ok. Derrière toi, mon frère. Ok. Let's go. Alors là, maximum concentration. Nous verrouillons la faille et nous frapperons la cité avec nos alliés. Ça semble désespéré. Bien. Le désespoir est un avantage. J'aurais préféré un géant de feu destructeur de royaume. Mais faute de mieux, je prendrai le désespoir. Le désespoir est plein d'avantages. Ça, c'est beau, ça. Flambeau. Okay. Oh, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je suis déterminé de fou. Oh, j'allais péter une Valkyrie alors que c'est ma pote. Ina est la nouvelle reine des Valkyries d'Odin. Je la compte les choses. Imagine bien. Alors faisons. Ah, y'a bon. Y'a personne. Il va repasser. Ah, oh, bien, wesh. Ok. Ça, on va lui péter la gueule comme ça c'est fait. Ah ouais, si j'aime bien ça. Oh, ça j'aime bien. Ça j'aime bien de vous. Hop, hop. Voilà, récupère ta peau. Sur ta ça dégage. Ok. Ok. Pas mal. Lolo. Ouais, je prends les lames du chaos, hein. L'histoire a commencé avec les lames des chaos, elle terminera avec les lames du chaos. Ok, superbe. On va où là? On va là. Là-haut. Oh, c'est aussi puissant que Naruto dans la dernière grande guerre ninja. Il ne nous a pas suivis depuis Midgard. Curieux. Il occupera tort au moins. Il va repasser. Derrière toi. Oh bah. Ok. Hop, désolé, c'est de la découpade. Hop, viens là. Voilà. Merci pour la rage. C'est ce qui me donne la rage de vaincre. Et... oh, regardez le serpent monde. Continuez. Oh, je l'ai... j'ai tiré ma fireball à côté. C'est peine perdue. Les Deneria reviennent du Valhalla dès que nous les tuons. Attention, couvert de vitraux. Ok. Allez, c'est Tipa. Oh, qu'il est beau ce serpent monde. Petit radio, renfort d'Alfheim. Ils n'auront bientôt plus de soldats. On dirait que les grands géants sont venus finalement. Le serpent a changé. Oui, il est différent. Mais quand j'étais parti. Oublie ça, on verra plus tard. Le lien des Eneriar au Valhalla. Mes sœurs et moi devons le couper. Va. Toujours aucun signe d'Ena. Sindri ne nous lâchera pas. Nous devons croire en lui. Rallie ce que tu peux. Nous irons vers la tour de Svartalfheim. Ok, on est reparti. Cette fois-ci, je récupère mon fiston, je crois. Comment va-t-on briser le mur sans le Ragnarok?
les machines de guerre. Oh, alors la situation est désespérée. Ok. Ça marche. Ok. Okay. Prêt, tiens-toi prêt. Okay. Fireball. Dur à toucher, lui. Ok. Derrière toi, en garde. Allez, hop. Enfin, lui, il était chaud avec son bouclier, putain. Allez, hop, éclatage de nuque. Derrière toi, merde. Dragon, attention. Il n'en reste qu'un. Bon sang, Ragnarok devrait être là. Qu'est-ce qu'il attend? Wesh! Mon ref! Ah, aucun fauda! Ah, cette Valkyrie les a suivis à travers la brèche du royaume! Ton ami, elle... s'en sortira! On a des choses plus importantes à régler, même si on arrive à briser le mur! C'est peut-être mieux ainsi. Mais mieux pour qui? Ok. Ok, c'est intense là, les amis, hein. Oh, ça, c'est une vraie guerre, hein, mon pote, hein. Ok, le rivage. Diffing. Ok, on va passer par là. J'essaye de se rapprocher de la porte. Les nains sont là. Bien joué, Sindri. Ah, ce n'est que Sindri. Sindri. Je sais, je suis en retard. Où est ton armée? Trop de nains sont déjà morts pour ça. Sindri, je sais. Odin les a forcés à construire ces machines de guerre. Et je suis ici pour les détruire. Avant de les détruire, nous devons les braquer sur la faille. Bien. Laissez donc les nains finir le travail des géants. Tiens-toi. Oh, lui, il prend sa part, hein. Oh, lui, il aurait jamais dû venir dans cette guerre. C'était clairement pas la sienne. Ok. Ouh. Là, il y a littéralement tout le monde. Depuis God of War 1. Il était temps qu'il pointe son nez. Ce que tu voulais. Je sais pas ce que je voulais. Non. Ferme ton cœur à la douleur. Ferme ton cœur. Qui sont-ils? Des Midgardiens. Odin les héberge. Ils n'ont rien à faire là. Ils ne se battent pas. Odin se sert d'eux comme d'un barrage. C'est la guerre.
Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier. Qu'est-ce que tu fais ? Fils, écoute-moi bien. Tu sens leur peine parce que c'est dans ta nature. Et tu ne dois jamais sacrifier cela, jamais, pour personne. Écoute-moi, j'avais tort, Atreus. J'avais tort. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à leur souffrance. C'était le souhait de ta mère. Et c'est le mien. Cette fois, nous serons meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez vu la taille de ce truc ? Je pense qu'on va gagner. Si on ne meurt pas avant. Pourquoi vous arrêtez ? Le Ragnarok est là. Nous avons enfin Odin à portée de... Nous arrêterons Odin. Mais nous ne voulons pas sacrifier des innocents. Nous passerons le mur à la faille de Rimtur. Avec quelle armée ? Atreus et moi irons seuls. C'est du suicide. C'est possible. Mais nous mourrons pour la justice, et non la vengeance. Cette arme peut-elle ouvrir la faille ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous trois, mettez ces gens à l'abri, trouvez-leur un lieu sûr. Très bien, ce sera fait. Freya et moi ferons notre possible pour ralentir le Ragnarok. Il n'était pas ainsi avant. Essayez de lui faire entendre raison. Odin ne s'en tirera pas. S'il s'échappe, alors je te jure. Je sais. Valky ! Non ! Non ! Protège-le ! Je me charge de ceux qui sont piégés, et je te retrouve à la faille ! Allez ! Pars, Atreus ! Et on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde, bye bye. Qu'il est beau ce Ragnarok, qu'il est beau.